Bonjour à tous, c'est Kid Paddle 59 et on se retrouve pour la suite du premier défi. Donc, on est arrivé à la scène de l'aérodrome, la célèbre scène de l'aérodrome, j'ai envie de dire. Pourquoi célèbre ? Parce que ça a marqué toutes les générations en fait, cette scène de l'avion. Ils l'ont gardée, malgré qu'ils ont fait une liberté. Ils ont gardé les scènes mythiques au moins. Il me faut une extraction. Extraction prévue dans 9 minutes. Donc comme vous voyez, c'est la guerre. C'est la guerre. Hein. On peut juste un petit coup. Ok. Oh. Alors là, c'est impossible que je perde pas de points de vie. Faut vraiment avoir un bol de cocu. Hein. Ah bah là déjà, je serais que j'aurais pas de vie supplémentaire. Salope. Pourquoi il met le silencieux à chaque fois? Pourquoi ça me sert? À rien. Depuis tout à l'heure, j'étais avec le silencieux. Là, par contre, là, je crois qu'il n'y aura pas de gilet pare-balles parce que là, on est en pleine scène de guerre. Oh salopard. Oh salut. Il a failli avoir ce salaud. Allez, on va jouer. Cracou casse. Tant pis son crève. Ah maintenant. J'ai que 3 vies, c'est vrai. Oh j'ai joué cracou casse. Oh en plus un gilet par balle. Nickel. Attends, qu'est-ce qu'il faut comme objectif? Ouais. Mais bon. C'est con ça, il reprend la même arme avec une visée réflexe. Faut faire ça, mais il faut rien faire. Il faut que je fasse ça, hop. Prends le AK-46 et l'échange-le avec. C'est con ça. Ça, après j'aurai une visée réflexe. Hop, on l'utilise et on l'explose l'avion. Paf. C'est con ça. Oh merde. Oh merde. Oh, enfoiré, bien joué. Bien joué. Alors, par contre, ça, j'ai peur que ça explose. Oh putain, j'ai cru que c'était quelqu'un. Oh, ça, il y en avait deux. Putain, là, on dirait... Oh, oh. Et ils sont deux là? Ouais, ils sont deux. Putain, on dirait qu'on est en guerre. Bon, tire dans la tête. Voilà. Y'a plus personne qui s'est essayé. Allez, cours, 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 bordel. Oh là là, je suis en train de me faire niquer de partout. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un autre chemin, parce que là, ça m'étonnerait qu'il n'y ait qu'un seul chemin, en fait. Je sais, je vais me faire shooter dessus. Cours, 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 cours. Oh bordel! Ouf, ouf! Putain! Comment on aurait pu me voir? Ça, j'adore l'action que je viens de faire là. J'adore l'action que je viens de faire là. Oh merde! Oh merde! Ils ont des fusils à pompe, les enfoirés. Et on fait moins les malins, hein? On fait moins les malins. Oh putain, ça crame de partout. Oh putain. Ok, quelqu'un en bas. Ok, quelqu'un en bas.
perso qui avait pas dit. Les pare-balles. Ouais, il n'y avait pas l'impression d'avoir du pare-balles. Hein. En fait, je suis venu ici pour rien, quoi. Putain, l'arnaque. T'as le droit de chemin, t'attends que le second te donne au moins un bonus, quoi. Là, y'a rien. Ouvrir. Enfoiré, va. Oh là là, je suis presque mort. Enfin, c'est pas comme j'étais à deux doigts de mourir. Oh merde. Oh merde, enfoiré, va. Salaud, va. Salaud de toi. Enfoiré. j'ai bien aimé là. Enfoiré. Tu dois avoir un gilet pare-balles là, te fous pas de ma gueule. Non? Ah, quand même. Te fous pas de ma gueule, hein. On dirait que vous êtes Terminator, il peut résister à tout. Oh là là. Alors, petit conseil, ne passez pas par là, passez par la porte. Ça, c'est un bon conseil. Sinon, vous allez vous faire flinguer de partout. Là? Ouais. Ouais, juste le AK-47 et le Drumhead de Type 12. Un objectif secondaire à porter. Salopard. Maintenant! Eh, vous rigolez de moi, là, il y a un gilet pare-balles, là. Ils sont à 2 mètres. Ils sont à 2 mètres. Objectif atteint. Qu'est-ce qu'il me reste? Détruire les consoles du piratage des avions. Dans la tour de contrôle pour empêcher les Russes de vous suivre. D'accord. Pof. C'est con ça. J'adore. Enfoiré, a lancé une grenade. Enfoiré. Pouf. Oh, il y avait un... Il y avait un fusil à pompe. Enfoiré. Enfoiré. Viens ici. Putain. Ah, tu m'as pas eu, hein? Ah, ça j'aime bien. J'ai tiré sur le mur alors que j'étais hors. J'aime bien ça. Enfoiré, putain! Putain, les gars, ils apparaissent en nombre, ils se croient Terminator. Tiens, ils font moins le malin là. Ah, un objectif secondaire. Ok, là, je peux rien détruire. Voilà, là, je peux détruire. Donc ça serait en haut. Enfoiré, oh. Oh putain. Oh. Moi je veux bien tout détruire. Voilà. Alors là, là, c'est une scène qui a pas été créée. Regardez-moi cette scène là. Vous allez voir. Il voit une moto. Qu'est-ce que vous pensez faire? Je vous laisse 3 secondes. Et vous pensez que ça va se terminer là? Non, non. Non, non. Regardez bien. Voilà. Un shootage à moto. Un shootage à moto.
Oh putain. Voilà. Putain, et j'ai plus de gilet pare-balles. Oh, foiré, oh. Ça me fait pareil, ça. Là, j'ai pas atterri crevé comme une merde. Allez, on m'appuie. Voilà. On appuie comme un malade sur les boutons LR. On appuie comme un fou. Alors, toi, tu dégages. Là, je sais pas. Allez, on appuie comme des fous, allez. Oh, yeah. Mission terminée. Je vous laisse écouter. Je vous laisse écouter, hein. Bande OM6. La base est détruite. 006 est mort. J'avoue. Je suis désolé. Inutile. Il connaissait des risques. Et Romov? Je ne sais pas. Je veux que vous rentriez à Londres. Non. Cet hélicoptère, vous avez eu la photo? C'est un Ludmilla T1. Spécialement modifié. Blindage IEL. Mettez un maximum de pression sur les relations de Romov. On doit savoir. Qui a besoin d'un hélico capable de résister à une IEM? On va s'en occuper. Terminé. Donc voilà, hein. Voilà, en gros c'est ça. Oh putain, ça nous a pris que 10 minutes 42, contrairement aux autres qui nous avaient pris 22 minutes. Oh! Bon, bah, on va continuer un petit peu, hein. Je crois que la prochaine mission c'est un nightclub. Bon, on en est à combien là? 11 minutes 37 déjà. Bon bah, je crois que j'ai coupé parce que j'ai envie de faire une partie entière en fait. De 14 minutes 30, parce que si je mets mon intro et générique, ça doit prendre environ 15 minutes, donc 14h30, ce serait bien. Allez, ciao et à plus !